Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dessus, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dessus. Alors aujourd'hui, on va parler de comment utiliser l'aloe vera qu'on trouve en fait sur les dreadlocks. Comment utiliser l'aloe vera sur les dreadlocks? Mais c'est de l'aloe vera, la plante qu'on trouve en fait au marché. Donc moi celui-là, je l'ai trouvé au marché des Batignolles, au marché bio des Batignolles. Pour info, c'est entre Rome et Place de Clichy en fait sur la ligne 2. Et donc du coup, je l'ai trouvé là. Ça m'a coûté un peu. Qu'est-ce combien? Ça m'a coûté 5,88 en fait. Je sais pas si vous voyez un peu, ça m'a coûté ça, 5,88. Mais ça va, ça c'est une bonne taille, c'est au kilo en fait. Ils le vendent au kilo et du coup, c'est une bonne taille en fait. Et du coup, je vais vous expliquer comment l'utiliser en fait. Donc ça se présente comme ça. Donc vous le prenez en fait, ça se présente comme ça. Vous prenez un couteau et on coupe ce bord-là, cette partie, toute cette partie. Là, ça, on coupe, on l'enlève. On l'enlève. Et là, ça se présente comme ça. C'est déjà, c'est un peu gluant, mais ça, on ne l'utilise pas. Et sinon, ensuite, on prend cette partie, on prend un bout, un peu comme ça, par exemple, comme là, par exemple. À ce niveau là, faut faire attention, hein, c'est de la famille des cactus, hein. Donc à ce niveau, on le coupe là, on le coupe bien, ah c'est tombé. Donc on le coupe et on a cette partie là en fait. On a ça et ça, on coupe. Il y a les côtés, il y a les bords qui sont piquants. Donc ça, on les coupe aussi. On enlève cette partie. Et ensuite, on enlève aussi celle-là. L'autre côté. Et ensuite, là, on a ça. On a la bulbe, en fait, qui est là. Et là, on partage, on coupe en deux. On coupe au milieu. Juste au milieu, là, pour l'avoir. Pour avoir la bulbe. On coupe bien. Jusqu'au milieu. Et ensuite, quand on coupe au milieu, on a ça, en fait. On a l'aloe vera, on a le gel qui est comme ça, qui est très gluant. Et du coup, c'est ce gel qu'on met dans les cheveux, en fait. Et moi, je vais vous le montrer. Je vais poser celui-là. Et du coup, je mets dans mes cheveux, dans le gel, tout le gel, tout ce qu'il y a dessus, je mets partout dans mes cheveux, à l'arrière. Et ça, je le fais. Oh, toutes les 2 semaines en fait, à peu près aussi. Toutes les 3 semaines. Et on prend bien le gel, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hein, on frotte bien dans ses cheveux. Et ensuite, on le laisse sécher en fait. Pour info, l'aloe vera, en fait, ça contient la vitamine A, la vitamine B1, B2, B3, B6, B9, C, D et E. Et l'aloe vera contient aussi des minéraux, en fait. Et ça contient aussi 20 acides aminés, dont 7 des 8 acides aminés essentiels dont le corps a besoin en permanence, en fait. Donc l'aloe vera, c'est vraiment très bien. Et du coup,
On met vraiment dans tous ses cheveux, partout. Et donc, ben, je prends l'autre partie, la glu de l'autre aussi. J'en mets parfois aussi dans ma barbe parce que je suis en train de faire pousser aussi un peu ma barbe. J'en mets dans ma barbe aussi. Ça fait du bien, c'est très bien. Ça fait pousser la barbe aussi. Ça fait bien pousser la barbe. Et du coup, on peut en mettre aussi dans la barbe, à l'arrière et tout. Et dans les cheveux. Et dans les cheveux. Et ça fait vraiment du bien au freeform. Ça fait vraiment du bien. Et voilà, c'est tout en fait. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, cet aloe vera, il m'en restera pour plusieurs fois en fait. J'ai encore plusieurs autres trucs à faire. Plusieurs autres trucs à faire avec cet aloe en fait. Voilà, donc c'est tout. J'espère que j'ai été assez instructif sur la vidéo. Si tout ce que je te dis te plaît, n'oublie pas de mettre un petit j'aime. N'oublie pas aussi de t'abonner hein, sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner parce que je mets beaucoup de vidéos en règle générale. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà hein, sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et donc, c'est ça, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. Voilà, ciao. À très bientôt.